Le cri m'avait creusé. Kaya m'avait cueilli. J'ai volé en rêve au-dessus de mon vide. Partir en je voyage entre les perceptions étalées qui ne se superposent pas. Ce livre est né à la suite du stage Voix Chaos que j'ai effectué au Centre Artistique International du Roy Art en mai 2016. J'avais eu la volonté de participer à ce stage justement pour affronter mon propre chaos, le chaos comme source primordiale aussi. Et je souhaitais y puiser et y trouver ma propre créativité et l'oser aussi cette créativité. Et au fur et à mesure des échanges, des écoutes, de la voix et du son de l'autre, sont nés des haïkus et des réflexions que j'appelle réflexions intermédiaires sur ma propre évolution, sur le passage du je au nous, sur la transition de l'être que j'ai perçue en moi et dans l'autre. Et dans le flot itinérant de l'inconstance, mais incessant, je vois des équilibres, à peine dérangés par le murmure de mes émois. Ici, des allers-retours, nous nous attendions. Le jour se fait sourd à mes dédales d'ombre et d'analyse. Il reste calme et m'invite à me taire. Me taire pour mieux l'aimer dans toutes ses mises en scène. Je pars à sa rencontre. Premier saut dans le... Parfum de rayons frais. Le printemps se suspend à l'acacia mutin. Parmi moi, il y a les autres. Ils ponctuent ma réalité, étrange. Alors, écho d'un chaos, en effet, ce sont les échos, les résonances qui ont suivi les échanges, les rencontres et le stage en lui-même. Le processus de création de ce recueil a été un peu particulier puisque j'ai l'impression que ma seule contribution a été de n'opposer aucune résistance à ce qui était là. C'est une expérience qui m'a en réalité emmenée dans sa propre structure. Vivement le parmi nous, il y a nous. Mon chemin est comme balisé de lucioles. Elles me guident et la finesse de leur lumière fait vibrer mon intensité. Elles apparaissent comme le reflet de mon ciel, chantent la clarté de mon essence. Je lis en elles et j'y vois le feu de la source, mes étoiles. Elles me chantent, même quand ma voix, elle, ne sait plus comment faire. Donc à travers ce livre, c'est un peu la prise d'acte de moi-même, dans le monde, au monde. Et j'invite vraiment tout le monde à oser sa propre créativité parce que c'est, peu importe l'écho qui va résonner dans la réalité, c'est déjà en soi une propre affirmation d'être très savoureuse. Alors, bonne lecture. Dissipe le corps de brume, révèle ton corps de mystère, oriente ta vie. Par l'unité du sens, ose. Le voyage de l'être a commencé avant.
Il avait éclairé les progrès comme les saisons révèlent le temps qui passe et évolue. C'est une traversée longue, celle de l'arbre qui perd ses feuilles comme sa vérité, qui abandonne ses fleurs comme sa beauté, qui oublie de voir que sa sève éternelle coule encore et encore, inlassable, sur sa tristesse et sa faiblesse comme pour les éroder. Mes pétales tombent, j'entends leur vacarme sourd, décontenancé. Fleurs de peau qui pleuvent en terreau fertile, là, changez le regard. Gratitude pour l'expérience nue du groupe.